Taoulant légère baisse et du vent side offshore entre midi et 2 sur la Cano. Rebonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est dégagé à variable. La température extérieure est à 17-18. La température de l'eau est à 17-18. Cet après-midi, un temps dégagé, une température à 17-17. La marée est actuellement en train de descendre. Le plumb bas est à 15h20-20 avec des coefficients de 63-3. Et sur cette marée qui descend, le vent est side offshore. Il est au nord-nord-est. Il est faible à modéré. Il y a un beau fort établi, des rafales à 2. Le plan d'eau est ridé à un peu de clapot. Les phases de vagues sont ridées à lisse, là où il est toujours mieux qu'il pique. Nuki Peak est longue avec 12 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à ouest, une houle qui est en légère atténuation consistante. Donnée sur la bouée Arcachon-Gascogne à 2,60 et 10 secondes, ce qui en termes de taille de vague nous fait du 1,20-1,50 en déferlement régulier, 2 mètres sur les séries qui rentrent fréquemment, et on a 2,30 sur les gros 7. La barre est pas facile à franchir, les vagues sont sélectives à réserver pour des surfeurs confirmés sur un plan d'eau qui est agité avec des vagues qui sont creuses. La barre pas facile à franchir, mais vous allez voir en toute fin de vidéo, il y a le MNS, il est parti prendre la température de l'eau, il a passé la barre comme qui rigole, il y en a un qui l'a suivi, qui n'avait pas trop le niveau je pense, et qui était pas loin de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Donc c'est sélectif, il y a des bouts, je sais pas si c'était pas le meilleur moment de la journée là, ils ont surfé quelques vagues là, Mathéo, Antoine... Et j'ai oublié le prénom de la troisième personne, excusez-moi. Il y avait quelques bouts qui passaient, bon, pas évident. La plupart du temps, ça fermait, mais hop, un petit coup de flou, hop, ça revient. Mais sur les meilleures orientations de série qui rentraient un peu plus du nord, là, il y avait la droite au nord de la digue nord qui arrivait à passer par instant. Pas évidente, mais ils ont pris des vagues quand même. Donc c'est pour ça que je me demandais si ce n'était pas le meilleur moment de la journée. Mais bon, à réserver pour des surfeurs confirmés, engagés, en forme, ça chargeait. Il y avait quand même quelques bouts qui passent, aléatoires, hein. Loin d'être fou, mais vous voyez, ils ont pris des bouts quand même. Hein. Après, les autres endroits, c'est complètement nul. Hein. On ne voit pas la moindre vague passer, peut-être entre les deux digues par instant. Il n'y avait que à l'eau, et là, ils sont sortis de l'eau, il n'y a plus personne à l'eau. La note, ça reste quand même 0,5 sur 5, parce que sur cette zone-là, ils ont pris quelques vagues, mais les autres endroits, vous ne voyez pas la moindre vague où vous vous dites, tiens, là, il y aurait des bouts. Donc, il y avait quand même quelques bouts de quoi glisser. Et puis, l'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va baisser, mais qui va légèrement baisser. Hein. Parce qu'à midi, la bouée Arcachon-Gascogne donne du 2,60 et 10 secondes, donc ça fait des vagues de 2,30 là. 1,20-1,50 en déferlement régulier, 2 mètres sur les séries qui rentrent fréquemment, 2,30 sur les grossettes. Et pour ce soir, cette même bouée, elle donne 2,70, 11 secondes, 2,50, 10 secondes. Alors, à part effet de marée haute, ça va légèrement baisser, mais il y aura presque la même taille qu'à midi hein, pour moi. Pour ce qui est du vent, il va se renforcer au nord modérément avant de revenir side offshore en fin de journée. Les prévisions à 13h, donc c'est 2,30 ou l'ouest-nord-ouest à ouest, 12 secondes de période, vent de nord-nord-est 1,2. Et à 17h, légère baisse, 2 à 2,30 encore. Hein, ou l'ouest-nord-ouest à ouest avec 11 secondes de période et un vent qui est attendu nord 2 à 3 Beaufort. Surveiller hein, avec la marée haute en fin de journée, ça devrait s'arranger un petit peu, mais ça sera pas évident parce qu'il restera de la taille. Et là, les dernières séquences, j'étais en train de discuter avec quelqu'un, donc j'ai pas pu bien les prendre, je suis désolé. Donc à surveiller, hein, je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 92 29 78 73 à 14h, 16h et 18h, en vous souhaitant la bonne journée.